Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour 5 astuces que je vois partout, Pinterest, Instagram, sur des blogs, sur YouTube. Tout le monde dit que ça marche, là comme ça sur le papier ça fait rêver, ça a l'air magique, ça a l'air révolutionnaire. Et ben non, c'est 5 astuces qui fonctionnent pas du tout. Je les ai toutes testées et je vous assure, ça ne marche pas. Donc si ça vous intéresse, et ben c'est parti. La première astuce que j'avais envie de tester, c'est celle-ci parce que je l'ai vue partout. Bon, elle fonctionne pas, mais l'idée, je vous avouerai qu'elle est pas si bête que ça. Donc je m'explique. En fait, il faut mettre un rouge à lèvres orange en guise de correcteur, donc sous un anti-cerne. Ça fonctionne pas car à la fin ça laisse pas mal de traces, c'est certainement dû à cause de la texture rouge à lèvres, mais c'est pas si bête puisque quand on a des cernes bleues, la couleur complémentaire c'est le orange. Donc moi je vous conseille pas un rouge à lèvres mais plutôt un correcteur sous l'anticerne pour vraiment annuler cette couleur bleue. Ensuite, en fait à la fin au niveau du résultat, on se rend pas bien compte mais c'était pas joli du tout. En fait j'avais un contour de l'œil mi-rose, mi-orange... Voilà, donc je valide pas, c'est un fail, mais au final, l'idée n'est pas si mauvaise que ça. Astuce numéro 2, c'est bientôt l'été, on a envie d'être bronzé sans forcément prendre le soleil. Donc là, j'ai trouvé cette petite astuce qui, je vous rassure, est vraiment une grosse catastrophe. Donc, il faut prendre une crème hydratante et mettre soit du cacao en poudre, soit de la poudre bronzante et s'étaler ça sur le corps. Donc franchement, le résultat était catastrophique. En plus, ça sentait mais hyper mauvais. Un mélange de Nesquik en poudre avec la crème, c'était vraiment pas fameux. Le résultat était horrible. Et en plus de ça, ça peluchait. Franchement, non. Ça collait, ça peluchait, c'était juste horrible. Je pense que ça, c'est le plus gros fail des 5 astuces. Astuce suivante. Donc là, à l'aide d'un crayon blanc, je suis censée crayonner l'intérieur de mes lèvres, disons le centre de mes lèvres, pour avoir des lèvres plus pulpeuses, un petit peu plus pimpées, je veux dire voilà, un petit peu plus grosses, etc. Tout en gardant un aspect plutôt naturel. Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout fonctionné. Donc moi, j'ai mis mon crayon blanc au centre de mes lèvres. Là, j'essaye d'estomper tant bien que mal. Le résultat n'est pas fameux du tout. Donc du coup, j'essaye d'appliquer un petit baume hydratant histoire de, je sais pas, rendre un petit peu plus brillant, plus hydraté. Et non, encore une fois, je ne vais rien. C'est certainement une des plus rigolotes, entre guillemets. Donc là, on voit ça partout, mais partout en ce moment. Le contouring du corps... un petit peu à la mode Kylie Jenner, etc. Donc en gros c'est jouer avec le clair et le foncé pour donner une illusion d'avoir des seins un petit peu plus gros. Franchement c'était une catastrophe, ça a fait des grosses taches, c'était pas précis et franchement par rapport à ma peau en fait la couleur ça allait vraiment pas. Donc j'ai fini par tout estomper et le décolleté effet push-up et ça sera pas pour cette année. Et enfin, dernière astuce, tracée, courbée et admirée. Elle n'est pas très récente, ça fait franchement une éternité qu'elle est sur Pinterest, Instagram, etc. Et je comprends franchement pas pourquoi, parce que ça fonctionne pas, mais pas du tout. En gros, on est censé mettre un petit peu de colle au niveau du recourbe-cil. Voilà, on est censé recourber nos cils. Et en retirant le recourbe-cil, normalement, il est censé avoir un petit trait niveau ras de cils. Et je vous avoue que rien du tout. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos astuces qui marchent vraiment. Et les astuces que vous avez testées parce que vous avez repéré ça un petit peu sur internet qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, j'attends vos petits commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye!